J'aimerais vous inviter à tourner avec moi sans plus tarder dans la parole de Dieu. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec la simplicité de la Bible. C'est la parole de Dieu. Elle est insufflée par Dieu. Et je vous invite à tourner avec moi dans deux textes parallèles en fait qui, qui, qui parlent de la même histoire. 1 Samuel chapitre 21. Tu peux peut-être un peu réduire mes, mes, mes retours. Merci. 1 Samuel 21. Et le psaume 34, euh, en, en, les deux ensemble, on va les regarder ensemble ce matin. Justine et moi, nous, nous avons pris quelques jours de, de repos euh, la semaine dernière et nous étions à des centaines de kilomètres d'ici, centaines de kilomètres d'ici. Et le dernier soir, euh, je vais vous le dire, j'étais dans le sud. Ah, le soleil. J'ai vu le soleil, il existe. Il va revenir. Il m'a dit qu'il allait revenir bientôt, enfin à Paris. Et. Euh... Nous étions sur une place dans une ville et euh, Justine est rentré dans un petit magasin pour acheter un café et euh, j'étais assis, il commençait à faire froid et je n'étais pas très bien, j'avais envie de partir de là et tout. Et j'étais je, 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 assis, je, je méditais sur la prédiction parce que dimanche dernier, j'étais sur le campus de Longue je prêchais à Longue et j'hésitais entre deux paroles. « Seigneur, est-ce que je devrais prêcher ceci ou cela ?» J'étais sur la place et je, je priais, je, je méditais, je n'avais pas la paix encore. Et une dame s'approche de moi par le côté, comme cela, et elle, elle se cache le visage, et elle me dit Monsieur, auriez-vous deux euros Et euh, probablement comme vous, euh, on n'a qu'une carte bleue aujourd'hui. <laughs> donc je dis Je suis désolé, j'ai que ma carte bleue. Elle dit Vous n'auriez pas un euro, monsieur <coughs> Je sais que ma femme a, a toujours quelques pièces au fond de son sac, donc j'attends qu'elle revienne, et, et je, je, je baisse mon regard, et je vois, je, je la regarde, parce qu'en général, les SDF, les gens qui dorment sur la rue. En général, si tu veux vraiment savoir si ce sont des vrais SDF, tu regardes les chaussures. Ils sont souvent mal chaussés. Et elle a de très jolies chaussures, très propres, blanches, nickel. Alors je là mon regard, elle a un joli sac à main. Je n'avais pas besoin d'une pièce elle, là. Et je lui dis Mais, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame Qu'est-ce que vous voulez elle me dit, comme ça, elle se cache le visage. Elle me dit, Vous ne pourriez pas m'offrir un petit chocolat hein? Vous êtes devant un café et vous, vous m'offrez un petit chocolat. Et je dis, Pourquoi est-ce que vous cachez votre visage comme ça Ah dit, J'ai un petit problème et tout. Je dis, OK, d'accord. Je dis, Vous savez ce que vous allez faire Vous allez vous asseoir et je vais vous offrir un chocolat et vous allez me raconter votre vie. Et elle retire sa main et elle me dit, Vous avez bien répondu, pasteur Christian. Et je reconnais une chrétienne, en fait, une sœur en Jésus. Qui peut-être a écouté un de mes messages qui disait que voilà, il faut aider les pauvres. <laughs> et elle a voulu me faire passer un test. <laughs> Est-ce qu'il vit ce qu'il dit? <laughs> et, et on s'est mis à rigoler et on s'est mis à, à, à simplement. Vous inquiétez pas, ce n'est pas une explosion. Et, et, elle s'est mis à rigoler et um, on a parlé ensemble. C'est une dame qui aide beaucoup les gens qui sont démunis, tout ça, dans la ville. Elle va sur Marseille et tout. Et on, on a beaucoup parlé ensemble. Et elle part. Elle, elle... Je dis Mais est-ce que vous voulez boire un chocolat Non, non, je dois y aller. Je, je, dois, je, je sors du travail, je dois vraiment rentrer chez moi. Je dis Ok, mais ben, pas de problème, allez-y. Et Justine et moi, on repassait ces moments ensemble. Et euh, je discutais avec des amis euh, durant mes vacances et je leur ai dit euh, ce qui s'est passé. Euh, et il euh, y en a un qui dit Mais c'est pas possible, ce que vous a fait, pasteur. Il faut pas faire ça, des choses comme ça et tout. Et j'ai parlé avec d'autres chrétiens. Il y a une chrétienne qui, qui a sursauté et qui a dit, c'est abusé, c'est abusé. Il faut pas faire des choses comme ça. Et je leur ai dit, non, non. J'ai reconnu Dieu dans ce qui s'est passé en fait. Dieu seul connaît les pensées secrètes de l'homme. Dieu seul savait que j'étais en train de me demander, Seigneur, est-ce que je dois Prêcher sur l'importance d'aider les pauvres à Logne dans deux jours, là, dimanche. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Et cette dame s'approche et tout ce qui s'est passé, toute cette mise en scène, et j'ai reconnu Dieu dans ce qui se passait. J'aimerais vous parler ce matin de l'importance de reconnaître Dieu dans ce que nous vivons. Vous allez me dire, moi, mais je, déjà, j'entends, vous savez, nous, les pasteurs, j'entendais un pasteur qui disait quelque chose de très bien. Nous, les pasteurs, nous avons un don spirituel. Nous avons la capacité de savoir ce que vous pensez pendant que nous prêchons. Je rigole. Mais je sais qu'il y a des gens qui, vous êtes ici ce matin, vous dites Ah, mais pasteur Christian, il y a des gens qui voient Dieu partout, même où il n'est pas. Et il y a des gens aussi qui sont trop cartésiens, trop terre à terre, trop dans le doute et qui ne reconnaissent même pas Dieu lorsqu'il fait un miracle. Alors, je vais vous montrer ce matin un jeune homme extraordinaire dont Dieu s'est servi de lui comme un exemple, même dans sa jeunesse, même dans son imperfection, même dans ses erreurs et des graves erreurs qu'il a commises. Dieu s'est servi de ce jeune homme dans la vingtaine pour nous montrer qu'il est possible de reconnaître Dieu dans ce que nous vivons de façon équilibrée. Vous êtes avec moi ce matin, vous dites Amen. Hallelujah. David. Si vous ne connaissez pas l'histoire de David, il apparaît comme un jeune berger. Le Seigneur parle de lui avant qu'il apparaisse dans la Bible. Et Dieu dit J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Alors, on peut vraiment étudier ce jeune homme. Il va tuer Goliath il va sortir devant les armées du roi il va être un grand guerrier, un chef militaire, un, un des grands de, de l'État, de son pays, littéralement. Et le roi va devenir jaloux de lui. Vous connaissez cette histoire, Saül et, et ça devient insoutenable, intenable, et David fuit. Il a le cœur brisé, il fuit en larmes. Le, le, le prince héritier, Jonathan, est son meilleur ami. Et, 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 euh, et je pense qu'il ne peut même pas s'embrasser, faire une dernière accolade, il doit fuir. Et, et, et il va fuir. Et là, tu dis, mais David, mais qu'as-tu fait là Dans sa fuite... Il va récupérer, je fais ça très court ce matin, il va récupérer l'épée de Goliath. Première erreur. Il met sa confiance dans une grosse épée. Il dit, euh, parce que l'épée est, est dans la maison de Dieu, il va la chercher, et il dit, ah, donne-la-moi. C'est une bonne grosse épée. Elle représente ce que tu as fait tomber, en fait. C'était l'épée de ton ennemi, c'était l'épée de Goliath. Et il, il, il la veut, en fait, il veut la récupérer. Il va fuir. Vous savez où est-ce qu'il fuit? Il fuit chez ses ennemis. Deuxième erreur. À Gath, la Bible dit Goliath de Gath. Il va fuir dans la ville natale de Goliath. Il va aller chez le roi Achish qui est son ennemi. Impressionnant. Les Philistins savent qu'il est loin de Dieu pour devenir roi parce qu'ils vont dire au roi Akish David, le roi d'Israël, alors qu'il n'est pas roi, est ici parmi nous. Quelle erreur Deuxième erreur. Et là, troisième erreur de David la Bible dit il se fait prendre. Les détails de la Bible ne sont, sont pas, pas très, très précis ce que ça dit, mais. Attendez, j'ai perdu ma page. Un Samuel, tournez avec moi dans un Samuel. Est-ce qu'il y a des Bibles dans ce lieu ce matin Pas des téléphones, des Bibles. Alléluia. Et on se saisit de David, on l'amène dans la cour du roi Akish. et la Bible dit que David, il a la peur de sa vie. Ce jeune brave capable de tuer un géant, seul a quand même une faiblesse, comme chacun d'entre nous. Il a la peur. La peur, elle est normale, elle est humaine. Et on se saisit de lui, et il a peur. Alors regardez ce qu'il fait au verset 14. Il fit semblant d'être fou. Alors là, David, le tueur de Goliath, le tueur de géant. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence envers eux. David aurait été ici ce matin, vous aurez dit, Pasteur, il faut prier pour sa délivrance. Vraiment, littéralement. Il faisait des marques sur les bâtons des portes, donc pas une seule porte. Vous pouvez imaginer la, la salle d'Akish, il y avait peut-être un bâton de porte là et là et d'autres portes. Et, et, vous, et vous pouvez très bien vous dépeindre cette scène ce matin où David se, se jette sur une porte, il la gratte avec ses ongles, il fait le fou, il fait le démentiel, il bave, il l'écume, et puis il se jette sur une autre porte, et puis il dans un autre portail. Et, puis et, 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 et regardez ce que ça dit. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur la barbe. J'ai dit la même chose. Oh là là. Il n'y a pas plus français que Oh là là. Mais tournez maintenant avec moi dans le psaume 34. David, regarde, là vous avez entendu la version Christian Robichaud de cette histoire. Vous allez entendre maintenant la version David de cette histoire. Psaume 34. De David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser. Par lui. Je veux bénir l'éternel en tout temps. Là, je ne comprends pas, David. Je, ma version à moi, c'est que mis quand même un peu la honte au nom de l'éternel. Vous êtes d'accord avec moi Ce n'est pas très on, honorable pour un serviteur de Dieu de, de faire le fou, d'écumer, de baver, de se jeter sur les murs et de, et de faire des actes de démence. Si on est d'accord ensemble ce matin, j'espère que vous l'êtes un petit peu quand même avec moi, ça, ça, ça déshonore le Seigneur David, ce que tu as fait. Ce n'est pas très glorieux. David, le oint de Dieu, le Messie va s'appeler le fils de David. David, tu as quand même une grande responsabilité dans le royaume de Dieu. Et là, tu nous fais des actes de démence, tu te jettes sur les murs, tu grattes les portes, tu baves, tu écumes, tu fais le fou. Et tu dis toi-même, sans aucune honte, que tu as fait le fou. David, il écrit, voici mon psaume, lorsque j'ai fait le fou, il ne semble pas avoir la honte d'avoir fait le fou. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour lui, c'est une victoire. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. David, tu nous mets la honte là. Et tu dis que tu fais le fier. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de Dieu. Célébrons tous son nom. Combien de chrétiens auraient accepté ce matin de célébrer Dieu parce que David a fait le fou? Imaginez, vous arrivez au culte ce matin et Fréjus vous dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer extraordinaire et cette nouvelle va vous faire exploser de joie et de Alléluia. David eut des actes de démence, s'est jeté sur les murs, il a fait le fou, et il a bavé. Alors louons tous l'Éternel ensemble. C'est ce que David dit. Je n'exagère rien. David dit, à cause de ce qui s'est passé... Loue est l'éternel avec moi. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Est-ce que vous avez vu Dieu lui répondre dans cette histoire Pas moi. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Est-ce que vous avez vu Dieu le délivrer Moi, je n'ai pas vu le délivrer. Incroyable, non? Hein? Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. David, tu ne rayonnes pas de joie, tu écumes. Et le visage ne rougit pas de honte, mais tu nous as mis la honte, David. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Christian a tort, David a raison. C'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Elle sort du cœur de Dieu. Toute écriture est inspirée. Vous pouvez <coughs> inspirée, c'est une mauvaise traduction. Littéralement, c'est toute écriture est le souffle qui sort de Dieu. Cette écriture sort du cœur de Dieu ce matin. Le psaume 34, ce n'est pas simplement David qui l'a écrit, c'est inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu dit Amen, Alléluia. Alors que s'est-il passé? Dans, entre les lignes que la Bible ne nous dit pas. David a reconnu Dieu dans ce qu'il a vécu. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'importance de reconnaître Dieu dans ce que nous vivons. Je ne suis pas venu vous dire d'écumer, de baver, de vous jeter sur les murs, de gratter les portes. Nous sommes conscients que si demain, tu as un problème... Tu es en réunion, staff, meeting, avec ton patron et tes collègues, et ça ne se passe pas comme tu veux, et tu dis Ah, je vais faire comme David. Il y a de fortes chances que ça ne finisse pas comme David. Tu vas probablement perdre ton boulot. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut faire le fou. Mais une chose est certaine c'est que Dieu ne fait pas la même lecture que nous de ce texte. Dieu voit un homme selon son cœur. Et Dieu dit Il m'a reconnu dans ce qu'il a vécu, alors je vais le bénir. Et le reste de la vie de David, c'est un jeune homme. Là, nous sommes en présence d'un jeune homme qui est dans la jeune vingtaine. Il ne le sait pas, il va fuir ce, ce, la cour de ce roi, il va fuir, il, il est vers Gaza en passant, il est complètement à, à l'ouest, il va fuir jusqu'à la caverne d'Abdullah, que vous connaissez, la fameuse... Et David va y passer près d'une dizaine d'années de sa vie. Il ne sait pas encore qu'il a dix ans devant lui à vivre dans une caverne et que des gens vont venir et se réfugier près de lui. Il ne le sait pas, mais... Dieu est en train de faire de lui un homme de Dieu. Et une des choses les plus importantes est de reconnaître Dieu dans ce que nous vivons. David connaissait Dieu, même s'il était jeune. Vous pouvez être jeune et connaître Dieu, vous pouvez être âgé et ne pas connaître Dieu. C'est écrit dans le livre de Job, ce ne sont pas les cheveux gris qui donnent la sagesse, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ce garçon a tué des ours, a tué des lions, a tué des géants. Ce garçon savait marcher par l'esprit, ce garçon savait, ce jeune homme savait être inspiré de Dieu. Il dit mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a recueilli. Il vivait avec Dieu alors qu'il était berger dans les prairies seul. David connaissait Dieu. Alors j'aimerais vous dire ceci ce matin, voici la clé. Pour reconnaître Dieu, il faut connaître Dieu. Notez ceci. Ceux qui connaissent Dieu reconnaissent Dieu. Ceux qui connaissent son cœur reconnaissent sa main. David connaissait le cœur de Dieu, il put reconnaître la main de Dieu dans ce qu'il vivait. Même si 1 Samuel chapitre 21 ne met aucune mention, il n'y a aucun écrit qui dit que Dieu a intervenu, que Dieu l'a protégé, que Dieu l'a gardé, que Dieu lui a montré quoi faire, que Dieu l'a guidé, il n'y a aucune... Une ligne dans un Samuel qui dit que Dieu est intervenu dans cette histoire. Mais David l'a vu. Il a fui. Et vous pouvez imaginer le jeune homme, après le stress, après le cœur qui bat, après tout ce qu'il a vécu, après la peur, après les angoisses, on, nous ne pouvons même pas imaginer ce que ce jeune homme a vécu, se retrouver seul au fond de sa caverne et repasser les événements à Gath, chez le roi Akish. Il commence à faire le constat. Ah mais Dieu m'a aidé. Ils auraient pu me tuer. Ils auraient pu ne pas... Il, il, il aurait pu, ça, serait pu ceci, ça aurait pu se passer comme ceci. Et David, en fait, reconnaît Dieu, même s'il n'y a aucun miracle visible. Et parce que ce jeune homme a appris à reconnaître Dieu dans ce qu'il vivait, Dieu a honoré David. Mais pour reconnaître Dieu, il faut connaître Dieu. Pour reconnaître sa main, il faut connaître son cœur. Et David était un jeune homme selon le cœur de Dieu. David aurait pu tout d'abord reprocher Dieu de l'avoir abandonné. J'ai raison, j'ai raison. Mais Seigneur, le prophète m'a roi d'Israël, j'ai tué Goliath, j'ai marché devant les armées. Tu, mille et une fois, tu m'as protégé de la lance de Saül. Mais là, où es-tu? Je dois fuir. C'est moi qui devrais être le roi. Et là, je fuis. Je vis comme un SDF au fond d'une caverne. Seigneur, où es-tu? Il aurait pu reprocher Dieu, mais plutôt que de reprocher Dieu, il s'est réfugié en Dieu. Sais-tu, lorsque nous cessons de faire des reproches à Dieu et que nous décidons de nous réfugier en Dieu, on apprend à reconnaître la main de Dieu. David connaissait son Dieu parce qu'il n'a pas fait de reproches à Dieu. Et si il y a un jeune homme ici qui pourrait momentanément faire des reproches à Dieu, lui dire mais où es-tu dans ce que je vis Ne lèvez pas la main ce matin. Mais combien d'entre nous parfois nous avons dit Seigneur où es-tu dans ce que je vis Non, Seigneur je te reconnais dans ce que je vis. Je te reconnais dans mes souffrances. Je te reconnais dans mes dans mes défaites. Je te reconnais dans les injustices que je suis peut-être en train de vivre. Je te reconnais dans dans, dans mes angoisses. Vous avez dit mais qu'est-ce que tu es en train de dire là, pasteur Christian David vit des angoisses, des peurs, des attaques, des oppressions. Il reconnaît Dieu dans ce qu'il vit. Il ne reproche pas Dieu. Il se réfugie en Dieu. Alors il peut reconnaître Dieu. Deuxièmement. David aurait pu se faire des reproches. Ah, oh, mais je sais pourquoi ça m'a mal tourné. C'est parce que j'ai pris l'épée de Goliath. J'aurais jamais dû me porter ma, ma, ma confiance dans l'épée des hommes, mais plutôt en Dieu. Et là, si je suis en train de payer pour mes erreurs, je, je n'aurais jamais dû aller chez les Philistins. J'aurais dû rester dans la maison de Dieu, là où je suis passé au début. Mais pourquoi je suis allé chez les Philistins Et c'est pour cela qu'aujourd'hui le ciel me tombe dessus. Oh Seigneur, c'est de ma faute. C'est de ma faute. David aurait pu se faire beaucoup de reproches. Oh, mais je suis dans cette galère parce que j'ai fait le fou, j'ai mis la honte au nom de Dieu. David ne se fait pas de reproches. J'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. En Jésus-Christ, quand tu as traversé la croix, qu'est-ce que je veux dire par la croix? La croix, il y a deux côtés à la croix. Avant la croix, c'est la conviction de péché. La croix, c'est la repentance. L'autre côté de la croix, c'est la joie, la victoire. Et c'est, je ne me reproche plus mon passé. C'est terminé. Paul dit, je suis crucifié avec Jésus. Si ta vie est en règle avec Dieu, s'il n'y a pas de compromis dans ta vie, tu vas faire quand même des erreurs. Mais ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, ta vie est en règle avec Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu fais ton mieux pour marcher avec Dieu, tu vas faire des erreurs. Tu as fait des erreurs et tu en feras encore. Je ne suis pas en train de te donner une licence pour faire des erreurs. Mais même si tu fais ton mieux pour suivre Jésus, tu vas parfois trébucher. J'aimerais te rassurer ce matin, c'est pas parce que parfois le chrétien trébuche que le ciel lui tombe dessus. David le dit lui-même. Il dit le juste trébuche mais l'Éternel le relève. David n'est pas en train de faire un constat si je suis au fond d'une caverne c'est parce que je suis un mauvais chrétien. Si, si je vis cette épreuve c'est parce que j'ai fait ce sont mes péchés qui me rattrapent. Ah oui mais non non mais il y a des années j'ai fait ceci cela, c'est sûrement mon passé qui est en train de me rattraper. Pas en Jésus-Christ. Hallelujah. Vous allez me dire, mais pasteur, il y a quand même des conséquences sociales ou humaines à ce qu'on vit. Tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Mais Dieu restaure, Dieu rétablit, Dieu accompagne, Dieu donne la force, Dieu donne une grâce. Voyez-vous, pasteur, oui, le Seigneur me pardonne, mais mon ex ne me pardonne pas, je peux comprendre. Mais Dieu donne une grâce dans ces choses-là. David ne se reproche pas à ses erreurs. David aurait pu aussi reprocher Saül. Ah non, mais il n'a rien compris celui-là. Mais Saül, tu n'as pas compris C'est moi le futur roi d'Israël. Tout le monde voit l'appel de Dieu sur ma vie, sauf Saül. Et le problème, c'est que c'est lui qui a la couronne. Même les Philistins reconnaissent que je suis le futur roi d'Israël. Même mes ennemis voient l'onction de Dieu sur ma vie. Mais cet homme qui a la couronne et l'autorité, lui cherche à me tuer. David n'a pas fait de reproche à Saül. Il a reconnu Dieu dans ce qu'il vivait. Et c'est pour cela, et je vous dis, j'ai vu tellement de serviteurs de Dieu mal terminés, parce qu'ils ont commencé à, à reprocher. Il y avait un appel sur ma vie, mais lui a fait ceci, mais elle a fait cela, mais il t'a arrivé ceci. Et il reproche, et, et, plus tu reproches les autres, moins tu reconnais Dieu dans ce que tu vis. Voyez-vous, il oui, y a quelque chose qu'il faut assumer si nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas que les proclamer, il faut les assumer. Lorsqu'on devient chrétien, nous entrons dans le royaume de Dieu spirituellement. Ok? Continue à payer tes taxes et tes impôts à la France, il n'y a pas de problème, tu es toujours en France, ne t'inquiète pas. Mais spirituellement, tu es dans le royaume de Dieu. Amen? On est d'accord? Alors là, il faut l'assumer. Dans le royaume de Dieu, Dieu est souverain. Ce que je ne maîtrise pas est sous sa maîtrise. Ce que je ne contrôle pas est sous son contrôle. Et si je vis des injustices, c'est permis de Dieu. Si un Saül me pourchasse, quelque part, d'une certaine façon, je crois que Dieu est au contrôle. C'est la vie de David, mon ami. C'est toute sa vie. C'est dix ans dans ces caverne à reconnaître Dieu dans les choses qu'il ne contrôle pas. Il y a eu des hauts, des bas, nous sommes d'accord. Il aurait pu reprocher Jonathan. Mais mon meilleur ami, où es-tu? Il n'a pas, il aurait pu reprocher ses parents. Mais ils sont ses proches. Voyez-vous? Et le problème, c'est lorsqu'un enfant de Dieu ne reconnaît plus Dieu dans ce qu'il vit, il commence à faire des reproches à tous les gens autour de lui. C'est la faute de lui, c'est la faute de elle, c'est la faute de ceci, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de la République, c'est la faute du président, c'est la faute de l'Union européenne, c'est la faute de l'ONU, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute des écologistes, c'est la faute de la fin du monde, c'est la faute du réchauffement climatique, c'est la faute de ma voisine au-dessus, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de tout le monde. Mais mon ami, tu es dans le royaume de Dieu. Dieu est au contrôle. Et David ne reproche pas. Je ne vois pas David reprocher dans cette histoire, Saül. Non, mais franchement, Pasteur Christian, si Saül n'avait pas cherché à me tuer, je ne serais pas tombé dans ce trou. Je n'entends pas David dire ceci. Regardez ce qu'il dit. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Wow! Pas de reproche. Il aurait pu aussi s'approprier le mérite. Il aurait pu très bien dire dans son psaume, mais regardez comment j'ai été un filou, comment j'ai été fin, j'ai fait le fou, j'ai fait la démence et ça a marché. Faites comme moi la prochaine fois. Je vais écrire un bouquin en 500 pages, comment bien faire le fou pour s'en sortir. Ça va faire un carton, vous allez voir. David aurait pu prendre tout le mérite, mais il reconnaît Dieu dans ce qu'il fait et dans ce qu'il vit et même dans ses erreurs. Il reconnaît que ce n'est pas parce qu'il a fait le fou qu'il a été libéré. C'est parce que Dieu a mis sa main sur lui qu'il a été protégé. Amen. Je vais vous dire ceci ce matin. David va grandir dans sa foi. Là, il est jeune dans sa foi. Mais lisez son, sa vie. Il va grandir. Là, il fait des, des erreurs, des, il fait des boulettes. Et la main de Dieu est quand même avec lui. Je ne suis pas en train de te dire de te permettre de faire des erreurs et de, de te permettre de faire n'importe quoi et que Dieu sera avec toi. Ce n'est pas ce que j'enseigne ce matin. Mais il est aux limites de sa foi. On est d'accord ce matin? Il est aux limites, ce jeune homme, dans la jeune vingtaine, certains commentateurs lui donnent à peine 20 ans, 21 ans. Ce jeune homme, est, 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 dans ses débuts de commencer à marcher avec Dieu comme ça, et, et, il fait ce qu'il peut. Et lui, il pense qu'il faut faire quand même un petit peu le fou et que Dieu va l'aider là-dedans. Et finalement, Dieu dit « Amen ». Je vais t'aider dans ta folie. J'aimerais vous dire, parfois on fait des folies. Ne levez pas la main. Mais parfois on a fait des choses dans nos vies. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et le Seigneur, parce qu'il nous aime, a quand même mis sa main. Mais il ne permettra pas à David de refaire cette erreur. Vous me suivez? Et dans sa vie, David va de plus en plus relâcher, faire confiance à Dieu. Et il va grandir dans sa foi. Dieu aime ce jeune homme parce qu'il ne s'approprie pas le mérite. David a appris à connaître et à reconnaître Dieu. Il va écrire dans le psaume 9, Ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Pour reconnaître la main de Dieu dans les choses que tu vis, il faut que tu le connaisses. J'aimerais vous défendre une grande déclaration ce matin. Je pense que l'un des plus grands problèmes de l'humanité, est le fait que Dieu est invisible. Avez-vous avez déjà réfléchi à cela? Imaginez si Dieu était visible pour toute l'humanité. Imaginez demain matin, lundi matin, on se lève, on ouvre les rideaux, on ouvre le téléphone, certains ouvrent les infos et puis la chaîne info continue. Attention, alerte spéciale en ce lundi matin. Dieu est maintenant visible pour toute l'humanité. Imaginez le monde dans lequel on vivrait. Vous avez déjà réfléchi à ça? Imaginez comment nos autorités se comporteraient s'ils voyaient Dieu. Imaginez tout le monde sort de chez lui demain matin et voit Dieu dans le ciel assis sur son trône qui le regarde. Avec tous ses anges. Imaginez le gars qui va aller voler dans un magasin. Ou l'autre qui veut arracher ton sac. Sur c'est d'accord avec moi. L'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que Dieu est invisible. Et la Bible enseigne que Dieu a choisi d'être invisible. Il pourrait être visible. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où Dieu s'est vraiment manifesté dans le temps des juges. L'ange de l'Éternel est apparu. Vous pouvez aller vérifier mes propos. L'ange de l'Éternel est apparu dans le temps des juges. Il a prêché à toute la nation. Tout le monde l'a vu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais il a choisi d'être invisible. Isaïe 45.15 nous dit ceci, tu es un Dieu qui se cache. Luther a été marqué par ce verset, il a appelé Dieu le Deus absconditus, le Dieu qui se cache. Blaise Pascal a écrit sur ce sujet et il dit ceci, il dit, il est moins le Dieu caché que le Dieu qui se cache. En d'autres mots, il pourrait vraiment se révéler. Einstein a dit que le hasard est le train que Dieu prend pour passer incognito. Dieu se cache. Dieu a choisi de se cacher. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme le, le cherche. Il appelle l'homme à le connaître. Il est écrit dans Daniel qu'à la fin des temps, l'antichrist corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Pas n'importe qui. L'antichrist ne pourra pas tromper tous les hommes. Il va tromper ceux qui veulent se laisser tromper. Mais regardez ce que ça dit. Mais les membres du peuple de Dieu, qui, du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec courage. Parce que nous sommes appelés à reconnaître. Mes chers amis, chaque enfant de Dieu ici ce matin, il y a un appel de Dieu sur ta vie, il y a une invitation, j'irai même jusqu'à dire, il y a une obligation, il y a une exigence de la part de ton Créateur à ce que tu le reconnaisses dans ton quotidien. Proverbe 3.6, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ésaïe 53.1, qui a reconnu le bras de l'Éternel Ésaïe 45.19, je veux faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas Impressionnant. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, Job 33, 14, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dieu est invisible, mais Dieu agit. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de reconnaître Dieu. Maintenant, il y a deux déséquilibres que nous devons adresser ce matin en terminant. Malheureusement, certains ne reconnaissent jamais Dieu alors que sa main agit, et d'autres le voient où il n'agit pas. J'ai raison, j'ai raison. Moi, j'ai rencontré des gens, ils voient Dieu partout. Pasteur, j'ai vu un pigeon de, de, à ma fenêtre hier soir. Ah, oh, c'est le Saint-Esprit, wow, il me parle et tout, machin. Et j'ai vu parfois la main de Dieu agir dans la vie d'un homme et, et, et le voir littéralement me répondre. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Un miracle. Le gars me répond, ah oh, mais c'était évident. C'était prévisible. Mmh. Donc certains voient Dieu partout, même lorsqu'il n'agit pas, et d'autres ne le voient pas lorsqu'il agit. Mais il est possible de, de, de développer une vie équilibrée. Il faut d'abord et avant tout connaître Dieu pour le reconnaître. Le doute est un déséquilibre. Certains ont toujours une réplique. Ah, c'était le hasard, les circonstances, c'était évident, c'était prévisible. Euh, mais je ne vois pas vraiment Dieu dans ce que vous dites. Les pharisiens demandaient des signes à Jésus alors qu'il en avait tellement fait. Thomas a dit, si je ne touche pas hein, les trous dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté, qu'est-ce que Jésus lui dit? quand il arrive dans la chambre. « Hé, hey, Thomas, là, qui se cache au fond de la salle, viens ici. » Et là, Thomas, « Wow! » Il fait mine basse, hein? Profil bas. Et Jésus lui dit, « Touche mes mains. Mets ta main dans mon côté. Touche. Tu as voulu toucher? Touche. » regardez ce qu'il dit après Jésus. « Vous, vous avez vu et vous avez cru. Heureux, ceux qui auront cru sans avoir vu. Nous sommes appelés à reconnaître Dieu sans le voir. Franchement, j'ai raison, j'ai raison. La méconnaissance entraîne la mésinterprétation. Mal connaître Dieu résulte à mal reconnaître Dieu. Maintenant, regardez bien. Je vais m'approcher de, de la conclusion et je vais vous parler d'un homme dans la Bible qui était trop attaché au signe plutôt qu'à Dieu. Un autre jeune homme, comme David, il a peur. Il a peur des Hittites. Il a peur des Cananés. Ce jeune homme s'appelle Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Il dit Vaillant héros, Dieu est avec toi! Qu'est-ce qu'il lui répond? Pff, si Dieu était avec nous, pourquoi on serait dans cet état? Gédéon ne se souvient pas que quelques chapitres auparavant, donc peut-être une génération passée quand même, mais il n'y a pas si longtemps. L'ange de l'Éternel est apparu à tout Israël. Il leur a dit, si ça va mal en Israël, c'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Dieu veut vous bénir. C'est l'ange de l'Éternel qui marchait avec Moïse. Nous sommes d'accord là. C'est l'ange qui les a délivrés de l'Égypte. C'est l'ange qui marchait devant eux. C'est l'ange qui a conquis Canaan pour eux. C'est l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel que Josué a vu s'est prosterné devant lui. C'est le grand ange de l'Éternel, le chef de l'armée. C'est Jésus-Christ. C'est une christophanie dans l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ. C'est le big boss, le chef qui vient et il prêche à tout Israël et il leur dit littéralement si ça ne marche plus en Israël, si tout va mal pour vous, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Et la Bible dit il a prêché à tout Israël et tout, tout, tous l'ont vu. C'est écrit dans la Bible. Et là, Gédéon lui répond. Gédéon est en sa présence. Il lui répond, il dit hein, tu, tu me dis que je suis vaillant, un héros, un guerrier, mais où est l'éternel et pourquoi on est dans cet état et Là, tu dis Ce jeune homme ne connaît pas Dieu. David connaissait Dieu, pas Gédéon. Gédéon est l'un des premiers hommes dans la Bible qui a demandé un signe à Dieu. Il dit je vais t'amener une offrande, là, et si, pouf, tu l'as fait, euh, toi, quelque chose de miraculeux, là. Alors là, je reconnaîtrai. Je veux un signe. Il ramène l'offrande. L'ange pointe le bâton, pouf, consume l'offrande, oh, disparaît devant lui. Et là, Gédéon a peur. J'ai vu Dieu, je vais mourir. Alors Dieu lui repart des cieux et lui dit N'aie pas peur, tu mourras pas. Avez-vous vu comment ce jeune homme ne connaît pas Dieu Comment sa perception de Dieu est un Dieu méchant, un Dieu de courroux, un Dieu qui punit, alors qu'il est venu pour le lever et faire de lui un vaillant héros. Il l'encourage, mais il se décourage lui-même. Et là, vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu lui dit, va à la gare. Ah, j'aimerais avoir un signe. Je prends une petite peau de mouton, Seigneur. S'il pleut seulement sur le cuir... Et pas à côté, c'est que tu es vraiment avec moi. Dieu fait pleuvoir la rosée, vous me direz. Mais quand même, il tord et il remplit une jarre de l'eau et dit oh, Tu es vraiment avec nous. Mais Seigneur, j'aimerais peut-être quand même avoir un autre signe. Fais l'inverse. Comme ça, vraiment, là, tu as fait ça, mais tiens, il y aura quand même peut-être un fruit du hasard. Peut-être quelqu'un est venu, je ne l'ai pas vu, puis il a versé de l'eau. Et, et, et euh, franchement, euh, je ne suis pas vraiment certain que Dieu agit. Dieu agit, il ne le reconnaît pas. On ne voit pas Dieu agir pour David, mais David le reconnaît. Et là, tu as deux exemples ce matin. L'exemple d'un homme qui reconnaît Dieu dans ses voies, l'exemple d'un homme qui ne reconnaît pas Dieu dans ses voies. Et Dieu lui répond. Après, Dieu lui dit, je vais même te donner un signe que tu n'as pas demandé. Va dans le camp de l'ennemi et va regarder ce qui se passe. Et, et il entend que les ennemis, à cause d'un songe ou d'un rêve, ont peur de lui. Et là, il part à la gare et tout. Et regardez la fin de sa vie. Je vous fais ça très très court ce matin. À la fin de sa vie, il va faire ériger une statue, un éphode. On croit que c'est un, comme une sorte de statue en or. Et la Bible dit... Que cet éphode devint un piège pour lui et ses enfants. Est-ce qu'il y a des parents ici ce matin? Levez la main. Tous les parents, levez la main. Vous avez une responsabilité. Attention. Votre perception de Dieu va influencer vos enfants. Gédéon marchait aux signes. Il en est venu à adorer les signes et les prodiges. Et ça a perdu son âme. C'est écrit dans la Bible. David a vu des signes, David a vu des choses extraordinaires, mais David n'adorait pas les signes, il adorait Dieu. David aimait le Seigneur, il n'était pas après les signes, il n'était pas en train de chercher. Il y a des gens qui marchent qu'aux signes, alors que Dieu, oui, en fait. Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et c'est notre responsabilité ensemble ce matin de reconnaître Dieu dans les choses que nous vivons. Vous savez, les signes sont pour moi. Je termine, j'invite les musiciens à s'approcher. Euh, imaginez un touriste qui arrive à Paris. Il roule sur l'autoroute à 6 et il cherche Paris. Il n'est jamais venu à Paris. Il se dit, un Français de la, de la province, et de son petit village, il dit Un jour avant de mourir, j'irai à Paris. Il prend sa voiture et il roule, 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 roule. Et puis il sait qu'il s'approche de Paris. Et puis tout à coup, il voit un insigne. Vous avez déjà vu cet insigne? Il y a un insigne pas très loin sur l'autoroute a 6 où on voit la Tour Eiffel et c'est écrit Paris. On n'y est pas encore, mais ça dit que c'est Paris. Imaginez cet homme qui s'arrête au bord de l'autoroute dans une émotion de joie extraordinaire, se m'a à sur l'autoroute de joie. Il dit, j'y suis, j'y suis, j'y suis à Paris. Il prend l'insigne. Il prend l'insigne et puis, ah, oh, je suis à Paris, je suis à Paris. Et puis, il prend sa voiture et il rentre chez lui. Tu as vu l'insigne de Paris, mais tu n'as pas vu Paris. Tu as vu une image de la tour Eiffel, mais tu n'as pas vu la tour Eiffel. Il y a des gens qui marchent au signe. Et Dieu leur donne un signe, c'est bon. Mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Les signes sont des insignes pour nous faire connaître Dieu. Je vais vous le prouver. Regardez ce que Paul dit. Regardez, parce que toute la lumière vient du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais la pleine lumière, c'est le Nouveau Testament. Car ses attributs invisibles, donc la personne de Dieu, qui est Dieu, sa puissance, sa nature, sa nature, qui est Dieu, ont été clairement perçus depuis la création du monde dans les choses qu'il a faites. Et en fait, Paul dit la nature parle de Dieu. Il y a des signes de Dieu dans la nature. Mais aujourd'hui, on a des gens qui vont embrasser les arbres dans la forêt pour avoir de l'énergie. Mais les arbres sont un signe, un insigne qui parle de qui est Dieu. Va marcher dans la forêt. Les gens vont marcher dans la forêt pour trouver la paix. Bien sûr, il y a une certaine paix dans la forêt, mais la, la forêt te parle du Dieu de la paix. Vous êtes avec moi ce matin? Donc, les signes sont des insignes qui pointent vers Dieu. Il ne faut pas s'attacher aux signes. Il ne faut pas trop interpréter les signes. Il faut garder ses yeux sur Jésus-Christ. Connaissez les notifications. Tu es là, tu es dans une réunion de travail, tu as ton téléphone sur la table, et puis tout à coup, il y a des notifications qui apparaissent sur ton téléphone. Clouc clou-clouc clou-clouc. Ce sont des notifications qui te disent que tu as eu un message, qui te disent que ta femme t'a appelé, par exemple. Mais la notification n'est pas ta femme. On se comprend, j'espère. Ce n'est pas parce que tu as lu la notification que ta femme t'a téléphoné que tu as eu ta femme. Les signes sont des notifications. On a des gens aujourd'hui qui sont tellement attachés aux signes, ils ne sont même plus attachés à Dieu. Les signes sont importants. Ce sont des notifications. Ce sont des insignes qui pointent. Qui est Dieu? Amen. Et le Seigneur appelle ses enfants à le connaître pour le reconnaître. Et je vais prier pour vous en terminant. On va baisser la tête. Seigneur Jésus, nous voulons être comme David, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme Gédéon. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont toujours dans le doute, de ceux qui ont besoin de signes, de signes, de signes, de signes. Nous ne voulons pas être de ceux qui doutent lorsque tu agis. Nous ne voulons pas non plus être de ceux qui te voient là où tu n'es pas, Seigneur. Et nous comprenons ce matin qu'il y a une seule façon. Connaître Dieu pour le reconnaître. Tu veux que nous puissions te connaître. Et peut-être quelqu'un se dit ce matin, oui, mais pasteur, tu n'as pas dit comment connaître Dieu. C'est tellement simple. Sa parole, sa présence, la foi. Il ne faut pas compliquer les choses. Le Seigneur veut marcher avec toi au quotidien. Marcher, écris-le dans ton cœur. Le Seigneur veut marcher avec toi au quotidien, dans une attitude de paix, hallelujah, afin que tu puisses le reconnaître. Le Seigneur, fais de nous des David ce matin, des hommes et des femmes qui savent reconnaître Dieu. Parce que tu bénis celui et celle qui te reconnaît. Tu le dis, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans ce que tu ne maîtrises pas ce matin. Reconnais Dieu dans même tes douleurs, tes souffrances, tes injustices, tes questions, tes attentes. Tu dis, Seigneur, je te reconnais dans ce que je vis ce matin, Seigneur. Hallelujah. Je suis dans ton royaume, je suis sous ta souveraineté, Seigneur. Ce que tu n'as pas permis, je reconnais que c'est toi qui ne le permets pas, Seigneur. Ce ne sont pas des hommes qui me bloquent, c'est Dieu qui dit, non, pas tout de suite. Où une porte s'ouvre, c'est Dieu qui ouvre la porte. Je veux être un homme qui reconnaît la souveraineté de Dieu ce matin. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole. Ils connaîtront la vérité, la vérité les rendra libres. Seigneur, nous aimons les vérités qui émergent de ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Je prie pour la foi de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Apprends-nous à être une église, à être des enfants qui marchent avec Dieu et qui le reconnaissent dans ce qu'ils vivent, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen.